je pense que ce qui s'est passé il y a 60 ans peut réapparaître. Il y a de grandes chances que ça réapparaisse un jour ou l'autre. Demain, si ça se reproduit, on sera peut-être nous dans les camps à être exterminés. Et puis c'est un devoir de mémoire, de militant, je pense. Hein. Pour moi, ça me paraît important. Qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, quoi. Pour l'instant, l'histoire de la déportation homosexuelle parmi les homosexuels, ça s'est fait par contact. Et en fait, c'est quelque chose dont, à mon avis, il faut qu'on parle beaucoup entre nous, puisque c'est quelque chose qui est peu connu, ou alors, en fait, ce qu'on entend souvent, c'est du passé, quoi. Ça appartient à l'histoire. Moi, en tant qu'homosexuel aujourd'hui, au XXIe siècle, en quoi ça me touche, quoi. Donc je pense que l'histoire de la déportation homosexuelle, pour la faire mieux comprendre, il faut en parler, et ça se passe beaucoup par témoignage. Et heureusement que Pierre Selle est encore là, mais le jour où il ne sera pas là, il faut que nous on prenne le relais et qu'on passe aussi le message, en fait. J'avais 17 ans et je savais bien que je prenais un risque à fréquenter ce square situé entre le lycée et la maison familiale. Nous nous y retrouvions avec quelques camarades à la fin des cours, pour bavarder entre nous, pour attendre aussi l'inconnu qui saurait nous séduire. Ce jour-là, dans le bras d'un voleur, j'ai senti ma montre quitter mon poignet. J'ai crié, il s'était déjà enfui. J'ignorais que cet incident banal allait faire basculer ma vie et l'anéantir. Lorsque ma montre me fut volée dans le square Steinbach, la perte de ce cadeau auquel j'étais attaché me mortifia. Mais j'eus surtout peur des réactions de mes parents et de mes frères. Que leur répondre s'ils venaient à s'apercevoir de cette disparition? Je ne pouvais pas leur dire la vérité. En désespoir de cause, je me rendis au commissariat de police pour signaler le vol. Le commissariat central de Mulhouse se trouve à l'arrière de l'hôtel de ville. Je fus courtoisement reçu. Mais quel ne fut pas mon embarras lorsque, au fur et à mesure des questions et des réponses nécessaires à l'établissement de la déclaration, l'officier de police, réalisant la signification du lieu et de l'heure tardive, se fit de plus en plus soupçonneux. Je rougis, mais voulus établir la vérité de l'incident. Le délit était le vol, pas ma sexualité. Il me fit signer la déposition et la classa. Mais au moment de me lever pour le quitter, il me fit rasseoir. Puis il se mit brutalement à me tutoyer. Serais-je content si mon père, à la réputation intègre dans la ville, venait à apprendre où traînait son fils de 17 ans au lieu d'être à la maison? Je ne souhaitais créer aucune ombre à la bonne réputation de ma famille. Je commençais alors à pleurer. Des larmes de honte ou de vexation d'avoir été piégé, je ne sais plus. En tout cas, je réalisais trop tard la naïveté de ma démarche. L'officier de police, après m'avoir humilié et fait peur, finit par se faire plus rassurant. Pour cette fois-ci, rien ne transpirerait de cette affaire compromettante. Il me suffirait à l'avenir de ne plus fréquenter ce lieu malfamé. Puis il me libéra. Entré au commissariat en tant que citoyen volé, j'en ressortais homosexuel honteux. L'incident n'eut effectivement pas de conséquences familiales et sociales immédiates. Le voleur ne fut jamais retrouvé. Et je gardais de cet épisode un simple souvenir de malaise. J'ignorais que mon nom venait de s'inscrire dans le fichier de police des homosexuels de la ville et que 3 ans plus tard, mes parents apprendraient ainsi mon homosexualité. Et surtout, comment imaginer que j'allais à cause de cela tomber dans les griffes des nazis? Nous étions le 2 mai 1941. Derrière sa caisse, ma mère me sembla plus nerveuse et préoccupée que de coutume. Elle me dit que la Gestapo était passée et que j'étais convoqué pour le lendemain matin. Il y a des homosexuels qui, au titre de leur sexualité, ont été gazés, tués, déchiquetés, torturés, au même titre que des juifs, que des tziganes, que d'autres. Pourquoi reconnaîtra-t-on les juifs, les tziganes, et encore les tziganes, ils se sont battus aussi, et pourquoi les homosexuels, non? Qu'il y en ait un, qu'il y en ait 270, ou qu'il y en ait 20 000, ça ne change rien, il suffirait qu'il n'y en ait qu'un. On doit se battre pour ça.
Et donc, il y en a un, au moins un, maintenant on sait qu'il y en a plus, mais il y en a au moins un qui a ouvert sa gueule, c'est Pierre Cille. Au moins, rien que pour lui, toute la France doit reconnaître, dans tous les villages de France, cette... voilà, point. Ça passe par une virgule et un mot. La déportation, pour moi, c'est un des plus beaux combats qu'on a pu mener. Je parle déjà au passé, ce qui est un peu couillon, parce que si ça se trouve, il faudra tout refaire dans quelques années. Mais pour moi, actuellement, là, j'ai une sorte de calme, de repos qui s'est installé sur Poitiers. Je parle que de Poitiers, parce qu'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Mais je trouve que, à un moment donné, on a fait ce choix d'être pas anodin, mais d'être visible au moment. De travailler sur le fond et pas sur la forme, de revendiquer non pas d'être homosexuel, mais d'être des citoyens. On est parti sur le devoir de la mémoire, mais collective, et pas le devoir de mémoire que des homosexuels. Après, quand on a réussi à parler de ça, on le voit d'ailleurs, parce que je me souviens toujours de M. Amand de la FNDIRP me dire dans le bus cette année, lorsqu'on allait aux cérémonies, vous voyez, cette année, on est content de vous voir, parce que c'est la première fois qu'il venait nous parler, parce que vous n'avez pas le triangle accroché à votre veste. Et depuis 2 ans, on avait un triangle. Depuis 2 ans, on déposait des gerbes. Depuis 2 ans, on était visible. Le fait qu'on ait enlevé un élément de visibilité a ouvert la parole. Mais je pense qu'on n'aurait pas fait tout ce travail de visibilité avant, on n'aurait pas eu cette parole. Donc je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur ça, mais il faut le faire intelligemment et pas violemment. Et après, au quotidien, je pense que ça passe beaucoup par parler de Pierre Cille, faire lire son bouquin. Hein, on peut encore le trouver. Quoi. Et surtout, je pense, expliquer le lien. En ce moment, on parle beaucoup d'homophobie. Et le lien, en fait, qu'il peut y avoir entre l'homophobie au quotidien, on va dire, qui existe encore maintenant, et l'expérience qu'un certain nombre d'homosexuels ont pu vivre durant la guerre. Je pense qu'il y a un lien évident. Et on a essayé de le formaliser au sein d'un tout genre. Pour, quand on prend la parole en public, quand on fait des apéros-débats, quand on a fait des conférences de presse, pour clairement fait expliquer aux médias, aux personnes qui viennent nous voir, que la déportation homosexuelle, la reconnaissance de la déportation homosexuelle, ça n'est pas un débat d'historien. C'est-à-dire que c'est pas pour une question de principe, c'est pas que ça. C'est vraiment crucial aujourd'hui, puisque c'est, à mes yeux, l'extrême de ce que l'homophobie peut vouloir dire. Et ce qui est important, je pense, à faire passer comme message, c'est qu'il y a un lien, dans l'horreur, en fait, qui part d'une simple insulte qu'on peut entendre au quotidien, tous les jours, ne serait-ce que dans une cour de récréation. Il suffit de rester 10 minutes dans une cour de récré pour entendre PD, enculé, fusé, etc. Et l'homophobie commence par ça, en fait, et peut malheureusement se terminer par la déportation massive de personnes qui, en fait, ont été persécutées et assassinées parce qu'elles étaient homosexuelles. Donc il ne s'agit pas en fait de vouloir forcément noircir le tableau, mais je pense que c'est important de faire prendre conscience aux gens que l'homophobie, en fait, qu'il n'y a pas une petite et une grande homophobie, que se battre au quotidien pour la reconnaissance des homosexuels, pour le fait que dans une cour de récré, on explique à un gamin qu'on ne traite pas quelqu'un de pédé comme ça, c'est la même chose que se battre pour la reconnaissance de la déportation homosexuelle. Il y a un lien, en fait, entre les deux. Tôt le matin, je me présentais à la Gestapo avec mon ordre de convocation. Une fois mon nom coché sur une liste, je fus brutalement mis à part dans une pièce qui se remplit rapidement d'une douzaine de jeunes gens. Je connaissais certains d'entre eux de vue. Nous attendîmes en silence, puis chacun s'en fut devant un bureau, dans des pièces séparées. Aussitôt, le SS en face de moi, après avoir violemment fermé mon dossier, me traita de Schweinhund, de cochon de chien, c'est-à-dire de sale pédé. L'interrogatoire ne faisait que commencer. Est-ce que je connaissais d'autres homosexuels? Quel était leur nom et adresse? Avais-je entendu parler d'un tel ou d'un tel?
N'était-il pas vrai que tel ecclésiastique aimait beaucoup les jeunes gens? Quels étaient nos lieux de rencontre? Il en savait, en fait, beaucoup plus que moi. Je restais quoi? Les Allemands savaient donc que j'étais homosexuel. Et ils essayaient de se servir de moi pour prendre au piège une partie de la population de la ville. Mais d'abord, quelle preuve avait-il de mon homosexualité? C'est alors que l'on me montra ce procès-verbal signé à 17 ans, où j'avais fait état à un officier de police français du vol de ma montre dans un endroit douteux. Le tout signé par moi. Je ne pouvais pas nier mon homosexualité. Les coups se mirent alors à pleuvoir. Derrière le bureau, les SS se succédaient à un rythme soutenu. À chaque fois, l'interrogatoire reprenait à zéro. Nom, prénom, date de naissance, nom et adresse des homosexuels de ma connaissance. Les uns après les autres, ils hurlaient, menaçaient, brutalisaient. Ils cherchaient à nous coincer, à nous épuiser, à vaincre en nous toute résistance. Après avoir dû répéter 20 fois, 10 heures de suite, les mêmes propos, les mêmes dénégations, nous vîmes des listes sortir des dossiers. Il nous fallait les signer, confirmer, à genoux sur une règle, que tous ces noms constituaient la liste des homosexuels de Mulhouse. Les murs résonnaient de nos cris. Parfois, on nous changeait de bureau. On nous demandait également d'identifier les autres suppliciés raflés ce jour-là. Alors nos regards se croisaient, terrifiés. Au début, nous parvîmes à résister à la souffrance. Mais après, ce ne fut plus possible. L'engrenage de violence s'accéléra. Excédé par notre résistance, les SS commencèrent à arracher les ongles de certains d'entre nous. De rage, ils brisèrent les règles sur lesquelles nous étions agenouillés et s'en servirent pour nous violer. Nos intestins furent perforés, le sang giclait de partout. J'ai encore dans les oreilles nos cris d'atroces douleurs. Je ne sais pas jusqu'à quel point en fait on est fiché, mais je pense que finalement, peu importe qu'on soit fiché ou pas, le combat, c'est que en fait l'homosexualité ne redevienne jamais en fait un motif de persécution ou de ségrégation. Après, fiché ou pas, si un jour on cherche les homosexuels, on les trouvera, si tu veux. Hein. On les trouvera. On sait très bien que les gens en fait dans un certain contexte sont très ouvert à la délation, il y a des voisins, il y a des choses qui se disent, il y a des choses fausses, enfin, peu importe le moyen, si un jour, en fait, on décide de persécuter les homosexuels, fiché ou pas fiché, on sera persécuté. Donc autant, à mon avis, c'est mon point de vue personnel, autant le vivre au grand jour et le dire au grand jour, ça fait au moins évoluer les mentalités. Je pense que ça sert à rien de se cacher. Je pense que ça sert à rien de se cacher, ça protège en rien. Ce qui protège, c'est de se faire connaître et c'est de se faire craindre, à certains côtés, ne serait-ce que se faire craindre par la loi, enfin, je pense à une loi contre l'homophobie, et c'est ça qui se protège, c'est pas de se cacher. Je pense que parler de la déportation homosexuelle, ça a un côté pédagogique qui est vraiment fort, à la fois pour faire réfléchir les gens sur la conséquence en fait d'une ségrégation qu'on peut porter en fait à une catégorie de personnes, quelqu'un qui va te dire, moi, les homos, j'aime pas trop, les PD, ça m'emmerde. S'il entend parler de la déportation, peut-être que ça va le faire réfléchir, c'est-à-dire que souvent, c'est plus de la bêtise ou de l'ignorance que de la méchanceté, donc quelqu'un peut très bien se dire, mon rejet que j'ai par rapport à une personne, eh bien, historiquement, elle a eu des conséquences, donc si je réfléchis sur moi, ça peut aider, en fait, à ce que ça se reproduise pas. Et je pense que pour un jeune homosexuel ou une jeune homosexuelle, c'est aussi important de montrer, en fait, qu'il y a des aînés. Qu'il y a des aînés qui a une histoire homosexuelle, qui a des phases noires comme la déportation, mais qui a aussi des phases, plus réjouissantes. Mais je pense que quelqu'un qui aujourd'hui découvre son homosexualité, c'est important de savoir, d'avoir des référents, par exemple. Et par exemple, Pierre Selle, pour moi, c'est quand même un exemple. Je te disais tout à l'heure qu'il a eu le courage,
avant la guerre et avant d'être pris dans cet engrenage, d'aller porter plainte pour un vol, en fait, sur un lieu de drague. Et je pense que ça, ça fait réfléchir aussi au quotidien sur le courage qu'il faut avoir pour s'assumer, quoi. Et il a ensuite eu le courage de témoigner, il en parle dans son livre, hein. Il n'est pas le seul à avoir été déporté, mais en France, il est le seul, en fait, à avoir très vite, en fait, eu le courage de témoigner, avec tout ce que ça peut vouloir dire aussi de rejet, hein. De rejet à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des déportés, puisqu'il raconte clairement, en fait, que si on a tant de mal à parler de la déportation homosexuelle, c'est qu'au sein même des déportés, l'histoire ne se fait pas facilement, et qu'on a mis des années, en fait, pour faire accepter aux notamment aux associations d'anciens déportés, que la réalité homosexuelle avait a existé. C'est normal que les déportés ne soient pas à l'aise. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils nous interdisent notre devoir de mémoire. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils reproduisent la haine qu'ils ont connue dans les camps. Ce n'est pas normal qu'on nous demande de justifier justement des enfants de déportés, parce que c'est clair qu'on ne pourra jamais témoigner. Le seul déporté reconnu, c'est Pierre Cille, il est en train de mourir. Donc si on va par là, c'est encore une volonté facile de nous éradiquer de l'histoire de France, de l'histoire de notre pays. Sauf qu'il y a des citoyens, il y a des gens qui ont de la mémoire, et il ne faut pas oublier non plus que les homosexuels, ils se sont aussi fédérés autour de la mort. Notre sida à nous, c'est aussi un peu notre déportation, hein. Et on a vécu ça. On ne s'adresse pas à des jeunes qui n'ont rien vécu, on s'adresse à des jeunes, moi en premier, qui ont vécu les camps des sidatoriums des hôpitaux, qui ont vécu des cimetières tous les deux jours lorsque les copains tombaient, qui ont vécu des crématoriums pendant des semaines et des semaines. Donc la réalité de la mort, faut pas venir nous la demander, faut pas nous provoquer là-dessus, parce qu'on pourrait en apprendre certainement. C'est vrai qu'on n'a pas vécu les camps, mais on a notre quotidien aussi derrière, on n'a pas à le justifier. Il est clair que les jeunes de 18 ans actuels ne connaissent certainement pas ça. Mais ceux de ma génération, on parle déjà comme des vieux alors qu'on a 40 ans. Mais oui, mais c'est cette réalité-là. Eh bien, on a un parcours qui n'est pas beau à voir. À l'aube du 13 mai 1941, je fus jeté dans un véhicule de police qui fut cadenassé de l'extérieur. Le véhicule quitta le centre puis les faubourgs de Mulhouse. Où allions-nous ? En regardant par les vitres, certains assurèrent que nous étions sur la route de Belfort. Cela aurait signifié la reconduite à la frontière, l'expulsion en zone libre, c'est-à-dire la solution la plus heureuse. Mais il fallut se rendre à l'évidence. En fait, nous faisions route plein nord en direction de Colmar et de Strasbourg, ou plus exactement du camp de Schirmeck, dans la vallée de la Bruche. Des jours, des semaines, des mois passèrent. De mai à novembre 1941, je vécus 6 mois de la sorte, dans cet espace où l'horreur et la sauvagerie étaient la loi. Un jour, les haut-parleurs nous convoquèrent séance tenance sur la place de l'Appel. Hurlements et aboiements firent que, sans tarder, nous nous y rendîmes tous. Au centre du carré que nous formions, on amena, encadré par 2 SS, un jeune homme. Horrifié, je reconnus Joe, mon tendre ami de 18 ans. Puis les haut-parleurs diffusèrent une bruyante musique classique, tandis que les SS le mettaient à nu. Puis ils lui enfoncèrent violemment sur la tête un seau de fer blanc. Ils lâchèrent sur lui les féroces chiens de garde du camp, des bergers allemands qui le mordirent d'abord au bas-ventre et aux cuisses, avant de le dévorer sous nos yeux. Ses hurlements de douleur étaient amplifiés et distordus par le seau sous lequel sa tête demeurait prise. Raide et chancelant, les yeux écarquillés par tant d'horreur, des larmes coulant sur mes joues, je priais ardemment pour qu'il perde très vite connaissance. Depuis, il m'arrive encore souvent de me réveiller la nuit en hurlant. Depuis plus de 50 ans, cette scène repasse inlassablement devant mes yeux. Je n'oublierai jamais cet assassinat barbare de mon amour. Sous mes yeux, sous nos yeux. Car nous fûmes des centaines à être témoins. Pourquoi tous se tassent-ils encore aujourd'hui ? Sont-ils donc tous morts ? Il est vrai que nous étions parmi les plus jeunes du camp et que beaucoup de temps a passé. Mais je pense que certains préfèrent se taire pour toujours, redoutant de réveiller d'atroces souvenirs comme celui-ci parmi d'autres. Quant à moi,
Après des dizaines d'années de silence, j'ai décidé de parler, de témoigner, d'accuser. Il y a eu, en fait, il y a 2 ans et demi maintenant, un meurtre homophobe sur le lieu de drague de Poitiers qui n'a jamais été élucidé, par exemple. Il a été qualifié d'homophobe, hein, ouvertement. On sait, toujours pareil, en fait, par des témoignages de personnes qui étaient là ce soir-là, que le meurtre, en fait, a été fait par une bande de jeunes, et sans doute de très jeunes personnes, en fait, qui, à plusieurs, ont sans doute décidé, pour s'amuser, en fait, d'aller chahuter des homosexuels qui draguaient, en fait, et ça a mal tourné. Et, en fait, ils ont jeté la victime dans le clin, qui est morte noyée. Alors, bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des appels à témoignages dans les journaux, ça s'est arrêté là, et 2 ans après, les coupables sont toujours pas châtiés. C'est quelque chose qui va rester, en fait, ouvert comme ça. Je sais pas si un jour, en fait, il y aura une conclusion à cette affaire, mais c'est quelque chose dont, par exemple, on ne parle pas. On n'en parle pas, quoi. Quand on en parle, tout le monde a l'air très étonné, alors que c'est quand même paru dans la presse. Avec un traitement, d'ailleurs, un peu qui avait tendance à minimiser les choses. C'est-à-dire que c'était plutôt un chahut qui avait mal tourné, par exemple. Alors que quand j'ai cherché des informations, et à l'époque, en fait, je m'occupais, en fait, d'un groupe de prévention via aide qui intervenait sur ce lieu de drague. Donc j'avais eu un contact avec le commissaire, en fait, central de Poitiers, avec qui on en avait parlé. C'était quelques mois après, quoi. Et en fait, quand on commençait à creuser, on s'est aperçu que c'était vraiment une agression physique. C'est-à-dire que ils ont, par exemple, vidé une bombe lacrymo dans les poumons de la personne avant de la jeter à l'eau. Donc c'est pas juste un chahut qui s'est mal passé, il y avait effectivement une intention de blesser et de tuer, quoi. Et ça, pour l'instant, en fait, il s'est rien passé, et je doute que maintenant, 3 ans après, il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est une réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas extraordinaire, hein. Je pense que si on parle avec des homosexuels qui vivent dans des villes moyennes de province, ils vont tous avoir une histoire comme ça à te raconter, où il y a encore des agressions. Il y a encore des meurtres qui ne sont pas, en fait, élucidés. Et il y a encore cette idée, en fait, que l'homosexuel est une victime facile. Puisque c'est ça, ce qui se passe, en fait, hein. Si quelqu'un qui a envie, en fait, de chahuter se dit « on va descendre sur un lieu de drague, en fait, pour casser du PD », c'est parce que l'idée, c'est que le PD va rien dire, en fait, et que ça n'aura aucune conséquence, quoi. Donc cette image-là aussi de l'homosexuel, moi, je me bats contre. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie d'être le citoyen de seconde zone sur qui on peut taper et qui dira rien parce qu'il a honte de lui-même. J'étais au mariage homo à Bègles. On était devant 200 contre-manifestants. Et quand on est arrivé, il y a eu un déchaînement de haine, de violence, de propos vraiment homophobes, style les pédobuchers, l'épée des pédophiles, l'épée des zoophiles, et j'en passe d'autres et des meilleurs. Et je peux t'assurer que s'il n'y avait pas eu des caméras et les flics, eh ben on aurait été écharpés. Des timbrés qui crient les pédobuchers à Bègles. C'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. C'est une réalité, hein. C'est pas des paroles en l'air. Ce sont des gens méchants, dangereux. Ils existent, ils ne sont pas punis. On aurait eu une loi contre l'homophobie. Actuellement, on aurait pu porter plainte. Et actuellement, ça se réglerait devant les tribunaux. C'est impossible en France. C'est tout, il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a encore des zones de non-droit pour nous et des zones de droit pour les autres.